Bonjour Sylvain, tu souhaites nous parler d'assertivité? Pour quelle raison? Bonjour, en effet, je souhaite parler de l'assertivité car c'est un sujet que j'ai découvert il y a de nombreuses années. C'est à l'occasion de la naissance de ma fille. Cela m'a vraiment permis de canaliser mon agressivité. Ça m'a permis également d'avoir des relations beaucoup plus saines avec les autres dans l'affirmation de soi. Et concrètement, je repars avec quoi? Chacun va repartir avec des outils concrets pour apprendre à être assertif ou ceux qui sont déjà assertifs, le rester dans la mesure du possible. Ça nous permettra justement de travailler notre écoute active, de développer notre façon de dire les choses, de dire les choses vraies, mais également donc apprendre à traiter un différent sans vexer ou frustrer mon interlocuteur. Et également, ça me permettra de muscler ma confiance en moi. Et dans mon métier, ça va m'apporter quoi? Dans votre métier, l'assertivité va vous apporter plein de choses. Être assertif, c'est capable justement de conclure plus facilement avec vos clients. C'est également mieux négocier un contrat avec un partenaire. C'est mieux prendre en main son équipe, mieux manager ses équipes. C'est être capable d'avoir des relations cordiales, amicales avec ses amis. Et puis, pourquoi pas justement l'utiliser pour dans la relation avec ses enfants, son conjoint, mais je ne vous garantis pas que ça marchera à tous les coups. Pour terminer, je dirais que l'assertivité, c'est être sec avec les autres. Sec, ça signifie quoi? Ça veut dire que S pour surmonter ma passivité, E pour éviter la manipulation et C pour contenir mon agressivité. Mais de tout cela, nous en parlerons bientôt. Merci beaucoup et à bientôt. À bientôt.